Donc aujourd'hui, on va parler d'un grand homme, un grand Guadeloupéen, Guillaume Guillon-Lethière. Et à l'initiative donc, du CCE, eh bien, je serai le modérateur donc, de cette manifestation. Donc je vais, sans plus tarder, passer la parole à la présidente donc, du CCE, Madame Vérac. Merci. Merci, Joël. Mesdames, Messieurs, chers amis, bonsoir et bienvenue à cette conférence sur Guillaume Guillon-Lethière, organisée par le Conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement, ici à l'archipel, au lieu de la culture et des arts. Depuis quelques années, c'est armé de notre volonté de réactiver notre mémoire collective que le CCE a entrepris de valoriser des personnalités guadeloupéennes qui ont marqué leur époque de par leur talent, leur engagement, leur intelligence, leur génie stratégique. Cette mise en lumière se fait en deux temps. D'abord par l'inscription de ces trajectoires remarquables aux commémorations nationales, ensuite localement par la tenue de conférences animées par des experts. Parallèlement, l'édition de brochures documentaires vient parachever ces hommages. C'est ainsi qu'a été commémoré en 2013 Raoul Georges Nicolo, brillant scientifique dont les travaux lui ont conféré une envergure internationale et à qui nous devons notamment le principe de la télécommande. En 2015, nous célébrions Camille Mortenol, fils d'un esclave ayant acheté sa liberté. Rappelons que le commandant Mortenol a vaillamment assuré la défense de Paris lors de la Première Guerre mondiale. Aujourd'hui, nous honorons la mémoire de Guillaume Guillon-Lethière, peintre talentueux, reconnu par ses pairs. Pour ce faire, nous avons demandé à Victor Richard Saint-Cilly, artiste visuel, et à Georges Vigne, conservateur d'art, de nous en parler et nous faire découvrir ou redécouvrir ce Guadeloupéen passionné et engagé. Je laisse le soin à Joël Raboteur, notre vice-président, qui animera notre rencontre, le soin de présenter nos deux conférenciers. Alors, je voudrais remercier le président de l'archipel qui nous a permis d'avoir cette salle. Remercier aussi tous les membres du CCE par leur implication, sans oublier nos administratifs ou l'organisation. Merci à tous de votre présence et bonne conférence. Donc, merci, présidente, pour cette allocution. Donc, sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, j'appelle à la table mes deux autres, donc M. Georges Vigne et M. Richard Victor Saint-Cilly Cayol. On les sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Alors, avant qu'ils interviennent, je vais faire une présentation qui est loin d'être exhaustive de ces deux autres que nous recevons au sein du CCE. Alors, la présidente a parlé un peu des axes en matière donc, de culture, hein, puisque le Conseil de la culture, éducation et environnement, nous avons plusieurs champs d'investigation, donc la culture, l'environnement, l'éducation. Elle a parlé donc, de Georges Raoul Nicolo, donc on a fait un superbe travail sur ce grand Guadeloupéen. Et nous continuons et nous œuvrons en la matière pour faire connaître notre histoire. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à un artiste, un grand homme. Donc, et pour vous en parler, donc, deux autres de qualité. Monsieur Georges Vigne. Alors, qui est Georges Vigne? C'est un conservateur en chef, honoraire du patrimoine, ici présent. Ancien conservateur du musée Ingres à Montauban. Conservateur en chef du patrimoine, chargé des collections d'architecture au musée d'Orsay, conservateur en chef au Fonds national d'art contemporain. Il est l'auteur donc, de plusieurs ouvrages sur Ingres, dont Ingres autour des peintures du musée de Montauban et dessins d'Ingres. Donc on a compris que c'est un grand spécialiste de l'artiste peintre Ingres, et d'ailleurs il nous en parlera tout à l'heure. Et comme autre
eh bien, notre compatriote Richard Victor Saint-Cilly Cayol, qu'on ne présente plus, qui est connu pour la qualité de ses œuvres, artiste visuel, multimédium, coloriste et scénographe urbain. Et ses créations protéiformes ainsi que ses publications s'inscrivent dans une approche déconstructive des archives de la mémoire collective. Il est l'auteur de nombreuses publications, notamment sur Laitière, dont Guillaume Guillon Laitière, La posture insolite ou l'imposture, acte du colloque L'insolite en art. Il est membre donc d'un centre de recherche qui s'appelle le CEREAP, qui est le Centre d'études et de recherche en esthétique et art plastique. Donc voilà les deux conférenciers. Donc sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet. On va découvrir Guillon Laitière, qui il est, son passé, ce qu'il a produit. Alors, c'est clair que quand on découvre l'histoire de cet individu, il y a de quoi faire un film, tant son histoire est riche et tant les enseignements ont dépassé donc les frontières nationales, puisque les œuvres de Guillaume Guillon Laitière sont présentes aux quatre coins du monde. Donc, Victor, Richard Victor, à vous l'honneur. Alors, c'est les aléas du direct. Voilà. Ah, d'accord, ok. Non, il n'avait pas encore mis. Bonsoir à tous. Merci d'être présents, aussi nombreux. Donc, je vais aborder la biographie de Laitière, de sa naissance jusqu'à son décès. Comme vous le voyez au sommaire ici, nous allons aborder son enfance, son départ pour la France, les prix et distinctions, le brevet, sa première expérience romaine, son retour à Paris, le directorat, l'Institut académique des beaux-arts, sa démarche et son engagement, et on dira quelques mots avant la conclusion sur le serment, qui est la fameuse œuvre qui a fait tant parler d'elle, qui a d'ailleurs fait un passage en Guadeloupe lors d'une première restauration avant son retour pour Haïti. Joseph Benoît Suvé, peintre d'origine belge, alors directeur de l'Académie de France à Rome, décède le 9 février 1807, après un bref intérim assuré par l'architecte Pierre-Adrien Paris. La tête de la nouvelle Villa Médicis sera confiée à un mulâtre des îles, un bâtard de surcroît, quadragénaire, d'humeur joviale, flanqué d'une ribambelle d'enfants qu'il avait eue pour le premier hors mariage, pour les deux suivants, Auguste et Lucien, d'une épouse qui elle-même avait déjà une fille. Fin de citation. C'est en ces termes peu élogieux que François Fossier introduit, vous l'aurez compris, le Guadeloupéen Guillaume Guillon Laitière dans son récent ouvrage intitulé « Les directeurs de la Villa Médicis au XIXe siècle ». Il n'y a aucun doute possible quant aux intentions de cet archiviste paléographe, ancien membre de l'École française de Rome, professeur émérite des universités. Il est à l'origine d'une centaine d'articles et d'une dizaine d'ouvrages ayant trait à l'histoire intellectuelle de la Renaissance et à l'histoire de l'art. Dans cet ouvrage consacré au directorat de Laitière, le ton employé et l'ensemble de ses propos d'un acharnement sans égal constitue un nouvel outrage, une ultime discrimination pour le Guadeloupéen jeté aux oubliettes de l'histoire. Aucun auteur, et encore moins les contemporains du peintre, n'ont été aussi méprisants que François Fossier. Cet ouvrage, tel un pamphlet à charge, arrive comme une nouvelle preuve d'une volonté de dénigrement de l'artiste, comme pour justifier qu'il soit maintenu dans l'ombre durant deux siècles. Pourtant, des sommités françaises du monde de l'art, critiques, journalistes, écrivains, historiens, biographes, conservateurs, académiciens tels que Blanc, Lapoz, Balzac, Vauchelet, Foucard, Cérulas, ont révélé la grandeur et le talent de ce peintre.
Même si pour certains d'entre eux, des passages de leurs publications font indéniablement écho avec une résonance paternaliste aux atavismes d'un certain suprématisme. Si des étoiles ont brillé durant le siècle des Lumières, certains continuent pour notre plus grand bonheur à éclairer nos chemins. D'autres ont eu un destin de comète, et parmi ceux-là, quelques-uns, peu nombreux, font une timide réapparition elliptique. Les deux nous paraissent cependant source de lumière. Alors, était-ce ou non une étoile que peut-être un nuage épais aurait éclipsée ? Guillaume Guyon-Lethière, aussi insolite que cela puisse sembler, n'était ni comète ni étoile, mais dans la grande nébuleuse de l'imposture, sans doute brillait-il suffisamment pour que son rayonnement nous atteigne. Ni historien, ni exégète, c'est donc plutôt un regard autrement motivé par la seule passion de l'art, le seul amour de mon île qui fonde l'intérêt pour moi de cette étude. En quelque sorte, comment et jusqu'où serait-il possible de voir autrement ? Ce travail construit, entre autres, à partir de traductions que j'ai réalisées sur des textes de l'historien et généalogiste Mario Valdés, est bien entendu une première approche qui réclame des recherches plus approfondies. Tout au long de mon étude, je me suis inspiré de la démarche de Valdés, appuyée sur la biographie de Jean-Auguste Dominique Ingres, pas celle de Georges Vigne, mais celle réalisée par l'historien d'art allemand Hans Naff. En procédant par recoupement avec d'autres sources d'auteurs déjà citées, visitées par Geneviève Madec-Capi, chercheuse, historienne de l'art, décédée en 2010, et Florent Laballe, j'ai pu nuancer, infirmer ou confirmer certaines informations et procéder à des ajustements. Je rappelle que Florent Laballe et Geneviève Capi sont à l'origine, je dirais, de la découverte de Guillaume Guyon-Lethière. Sont les premiers à avoir fait ce travail pour nous révéler ce qu'il a fait de grand dans l'histoire de l'art. Des affirmations mettant en doute des potentialités de cet artiste, parfois relayées en l'état avec une relative démarche critique par nos deux chercheurs, m'a conduit à une étude comparative de documents, d'archives, procédant à une fine analyse de certaines des œuvres de Lethière avec celles d'artistes notoires dont les qualités font l'unanimité chez la plupart des historiens. C'est donc dans une approche herméneutique comme méthode d'analyse afin de reconstruire un vouloir dire, de signifier autre chose, autrement que ce qui est décrit, de ce qui nous est donné à voir que je m'inscris. La rareté des sources historiographiques m'autorise la conjecture afin de tenter d'apporter une lueur malicieuse et en même temps une fugitive manifestation, lueur d'espoir, à ce que j'ai appelé le mystère Lethière. Charles Blanc, ancien membre de l'Académie, directeur des Beaux-Arts, professeur d'esthétique et d'histoire de l'art, dans la seconde moitié du XIXe siècle, même s'il tente une explication, discutable car pouvant s'appliquer à des peintres de second rang qui n'ont pourtant pas été oubliés, reconnaît ceci. Ce peintre a été pendant 10 ans le directeur de l'Académie de France à Rome. Il a été un des rivaux de David et une des grandes autorités de son temps. Comment aurait-on pu prévoir qu'à peine mort, il serait si complètement oublié ? Alors, voilà. Le 10 janvier 1767, en Guadeloupe, alors que l'univers plantationnaire en est à sa 116e année de pratique esclavagiste, une Saint-Anaise, Marie-Françoise Pépeille, dite Pépeille ou du Pépaille, esclave affranchie, caucasoïde ou plutôt carteronne, mit au monde un petit mulâtre répondant au prénom de Guillaume. Son père n'était autre que Pierre Guillon, fonctionnaire colonial des Indes occidentales françaises, procureur du roi dans la colonie de Guadeloupe et notaire royal à Saint-Pierre de la Martinique. Cet ancien planteur créole devenu homme de haut rang ne l'a pas reconnu à sa naissance. Il lui interdira même plus tard de porter son nom, en tout cas le nom Guillon, possiblement plus contraint par son rang, ses titres et ses hautes fonctions que par le code noir.
Les sources dont nous disposons ne nous ont pas permis de confirmer ou d'infirmer cette éventualité, si ce ne sont les invariables dans les pratiques de l'époque et toujours d'usage chez les béquets. Il demeure pour le moins incertain que le jeune libre passa toute son enfance sans patronyme. C'est aux côtés de sa mère, dans le village de Sainte-Anne, situé au sud de la Guadeloupe, qu'il vécut jusqu'à l'âge de 14 ans. Son père possédait des terres allant du plateau de French au haut de Montmain. L'on peut présumer sans risque de quoi se nourrit l'imaginaire de cet enfant illégitime en ce temps-là et dans ce lieu où se gravaient à dessein les plus sombres destins pour ses proches et certains de ses semblables. Durant la 14e année, son père, ayant constaté ses prouesses dans le dessin et à force d'insistance de sa part, se décide en juin 1774 à l'embarquer avec lui sur l'Éveillé, un vaisseau de titre de ligne français construit à Brest en 1772. Le navire mouillait dans les eaux de Basse-Terre au départ pour Bordeaux. Alors, il me plaît de vous dire que l'image que vous voyez ici, qui est une peinture d'un artiste donc, qui représente effectivement artiste néoclassique, qui représente ce vaisseau, c'est le vaisseau qu'a pris le tiers. Pourquoi je le précise ? Parce que les éléments que j'ai pu avoir dans mes recherches donnent la date exacte de la fabrication de ce bateau et sa fin de mise en service. Donc la dernière année, 1772, et il y en avait deux du même nom. Et j'ai pu trouver des traces qui donnent les différents vaisseaux de ligne français avec les dates de construction et la fin de service. Et j'ai trouvé l'Éveillé, effectivement, ce vaisseau qu'a pris le tiers. Alors vous me direz, bon, quelle importance en histoire, bien que je ne sois pas historien, mais parfois les choses, les petits détails qu'on a, qui sont croustillants comme ça, peuvent servir plus tard à d'autres choses, d'autres repères. Et puis, je disais au MAC, quand on n'a pas beaucoup de choses, on s'accroche à ce qu'on peut. Donc, ils accostèrent donc en septembre 1774. Dès leur arrivée, ils se rendirent à Rouen, où son père l'inscrit à l'école de dessin de Jean-Baptiste Descamps au nom de Letiers, Guillaume Letiers. Dans la thèse qui lui est consacrée, Geneviève Madec-Capi avance l'hypothèse que ce fut parce qu'il était son troisième enfant naturel, sans plus de détails. Hypothèse d'ailleurs que Charles Blanc avance en précisant que c'est lui qui se dota de ce patronyme. Activé dans sa tête certainement par l'idée d'être le troisième fils et surtout l'interdiction de porter le nom de son père. Il doit l'excellente pédagogie de Descamps, homme d'art et de lettres, son engagement dans la peinture, l'ambition qu'il y apporta, l'imagination et la volonté ainsi que la chaleur soutenue dont le tressaillant était l'énergie. Gaëtan Maes, auteur de la réédition de l'ouvrage que nous voyons à droite de l'image, puisque au milieu nous avons l'édition originale et à côté donc la nouvelle édition, elle précise que Descamps a eu sur l'enseignement de la peinture et les connaissances en matière d'histoire de l'art un impact considérable. Elle met en lumière l'originalité de Descamps dans son approche et la manière dont il met à profit ses connaissances linguistiques et artistiques. Ceci explique, entre autres, qu'après seulement 2 années de formation, il obtient en 1776 le prix extraordinaire de dessin pour son Académie Homme Nu, un dessin réalisé à la sanguine. Florent Labal et Geneviève Capi, associés dans cette aventure d'archéologie et d'histoire de l'art, supposent qu'il aurait suivi des cours de dessin en Guadeloupe. Bon, en l'absence d'éléments pouvant corroborer cette hypothèse, pourquoi tout simplement ne pas envisager de réelles dispositions naturelles que les qualités d'une bonne pédagogie n'a pas eu de mal à renforcer, comme il en a toujours été pour de nombreux jeunes, chez nous et ailleurs dans diverses disciplines. Serait-ce, chez nos compatriotes, chercheurs, cet inavoué, voire inconscient réflexe post-traumatique des afro-descendants que l'essayiste franco-camerounais Gaston Kellman définit comme étant une résurgence inévitable induite par le passé dramatique.
Garçon Kelman est l'auteur en 2003, je le rappelle, du best-seller « Je suis noir et je n'aime pas le manioc », dans lequel il dénonce certains préjugés des Blancs, mais aussi des Noirs eux-mêmes, envers les Noirs. En 1777, à Paris, dès son entrée dans l'atelier de Gabriel François Doyen, peintre du roi Louis XVI, ses progrès le positionnent comme rival de David, dont il avait rapproché l'atelier, sans jamais s'y inscrire comme élève. Avec des styles différents, ils aborderont plus tard des thèmes antiques similaires comme Horace ou Brutus, deux de leurs chefs-d'œuvre. C'est avec Doyen, d'ailleurs, que ses ambitions grandissent. Ce maître plein de feu et d'élan lui insuffla le goût de la grande échelle. Nous le verrons plus tard dans de grandes œuvres de grande taille, qui pesaient 500 kilos. Le tiers travaille avec une dextérité remarquée sur le modèle vivant et excelle dans le paysage, mention des archives de la Villa Médicis. Il accumule encouragements et médailles dès 1784. Avec la Cananéenne au pied de Jésus, que vous voyez à l'écran, il décroche le second prix de Rome, manquant de peu le premier. Selon les chroniqueurs de l'époque, le niveau était exceptionnellement élevé. Le premier prix fut décerné à Jean-Germain Drouet, issu d'une longue lignée de peintres et élèves de David, qui l'aidera d'ailleurs à réaliser son fameux serment des Horaces. L'année suivante, en 1785, le jury lui attribue à nouveau le second prix de Rome pour son Horace tue sa sœur Camille. La critique s'en étonne, avançant qu'il méritait le premier prix, qui fut d'ailleurs attribué à un peintre qui n'eut jamais de prix auparavant, Jean-Baptiste Frédéric Desmarais, recalé deux fois de suite au concours depuis 1783. Arrivé deuxième, il est crédité du premier par on ne sait quelle manœuvre, ce qui provoqua des réactions que d'aucuns qualifièrent de jalousie. L'œuvre de Lethière est à Rhode Island Museum à Providence, aux États-Unis. C'est cette œuvre que vous voyez ici. Alors, il y a une image à côté, je ne sais pas si elle est nette. Je me suis autorisé de la mettre puisque j'ai dû tenir conférence à Rhode Island pour, faire ce travail que nous faisons aujourd'hui, permettre une meilleure connaissance de Guillaume Guillon Lethière, puisqu'ils ont fait l'acquisition de cette œuvre, mais ils n'avaient pas beaucoup d'informations sur l'artiste, ses origines, et c'était avec plaisir qu'il recevait un Guadeloupéen qui plus est saint-annais et artiste qui vienne parler d'un de ses compatriotes. Il est alors gratifié du prix du torse 1785 pour l'Académie Torse d'Homme peint à l'huile, l'œuvre que vous voyez à l'écran. Le brevet de pensionnaire est la première expérience romaine. Un an après ce prix, on lui décerne, par une prétendue faveur spéciale due à la protection de M. de Montmorin, son brevet de pensionnaire à l'Académie de France à Rome. Ne faudrait-il pas plutôt y voir une volonté de réparation ou simplement une juste rétribution au regard de la qualité de ses prouesses face aux plus grands favoris bénéficiant, eux, des avantages que manifestement ses origines ne pouvaient lui offrir? Nous savons ce qu'a enduré Alexandre Dumas, d'origine haïtienne, son ami et père du célèbre auteur Les Trois Mousquetaires ou encore Le Comte de Monte Cristo. Et aussi le chevalier Saint-Georges, ce Guadeloupéen dit Mozart noir, à qui on a refusé, je le signalais l'autre jour, avant-hier, pardon, pour son entrée à la direction de l'opéra. On lui a refusé la direction de l'opéra, voilà. Tout en étant le Mozart noir, mais il ne méritait pas d'être là. Voilà. Arlette Cérulas, dans le livre des commémorations, valide cette hypothèse en écrivant ceci. « Premier artiste de couleur à être imposé dans le monde de la peinture occidentale. Guillaume Guillon Lethière, malgré ses origines, a une carrière des plus honorables. C'est le malgré qui m'a dérangé. Alors, n'est-ce pas là un aveu que ses origines furent un frein ? Alors que le véritable frein qui lui faisait obstacle, provenait de l'obscurantisme en plein siècle des Lumières. Est-il besoin de rappeler que nul en France n'ignore que dans la Guadeloupe qu'il a quittée, le fouet claque encore dans les plantations ? Je vous laisse en juger. Il résidera donc au palais Mancini,
qui est représenté sur cette image, sous le directorat de François-Guillaume Ménageot de 1786 à 1791, où il fera de brillantes études. Ces années romaines seront marquées par des réminiscences liées à ses origines, les paysages escarpés d'Italie, le Vésuve, la proximité de la mer, les collines, le climat tempéré et ventilé, lui rappelaient certainement son insularité. Il traitera l'histoire et le paysage avec supériorité, l'anatomie et l'architecture en artiste habile. Lors d'un envoi de Rome, à propos de l'esquisse qu'il présenta de son Brutus, condamnant ses fils à mort pour avoir conspiré contre la patrie, Ménageot s'émerveilla, je le cite, « Il y a beaucoup de génie, d'expression et de caractère dans ce dessin qui est d'un excellent style et qui transporte autant de l'événement. » Plus tard, nous verrons deux versions de cette toile, dont une a fait l'objet d'une acquisition le 22 mai dernier par Clark Museum Institute aux USA, ainsi que deux esquisses du même sujet à la plume et à l'encre. Le retour à Paris. Il ouvre son atelier près de l'église Saint-Germain-des-Prés, au 9 rue de la Childebert. Il y formera de nombreux élèves tout en participant de temps à autre aux expositions des fameux salons de Paris de 1793 à 1831. Le tiers doit sa reconnaissance publique à Philoctète dans l'île de Lemnos. L'œuvre que vous voyez ici. Au salon de 1798, cette œuvre s'est distinguée par un prix de l'encouragement. Le tiers est remarqué par Lucien Bonaparte, avec qui il construira une amitié durable. Ce dernier sera d'ailleurs plus tard le parrain de son fils Lucien Guillon Le Tiers, né le 17 novembre 1802. Ce n'est pas Napoléon Bonaparte, hein? On parle de Lucien Bonaparte. Ce n'est pas la même chose. En 1799, son père décide de le reconnaître, probablement motivé par la fulgurante ascension contribuant à sa notoriété de peintre ou encore à la promulgation de la première abolition de l'esclavage votée par la Convention en 1794. Rappelons-le, le Code noir interdisait effectivement, dans ce type de relation, que l'enfant mulâtre soit reconnu ou porte le nom du père. En 1801, il accompagne donc Lucien Bonaparte à Madrid, nouvellement nommé ambassadeur en Espagne. Bonaparte, hein, pas Le Tiers. Il lui confia la charge de constituer la collection française d'œuvres de grands maîtres espagnols. On lui doit le choix de plusieurs œuvres, dont Murillo et deux de Ribera, entre autres. De retour d'Espagne, il se consacrera de nouveau à son atelier, ce cénacle que ses élèves avaient baptisé la Childebert. À Paris, deux écoles régnaient sans partage à cette époque, celle de David, fidèle au classicisme des maîtres antiques, celle de Le Tiers, dit plus troubadour et déjà révolutionnaire dans les idées et dans l'art. Le Tiers multipliait les échanges artistiques et littéraires au cours de voyages dans les capitales d'Europe. Je vais très rapidement. Le directorat. En novembre 1807, cinq ans après le rétablissement de l'esclavage en Guadeloupe par Napoléon Bonaparte, paradoxe, ironie du sort, pour ce descendant d'esclaves, il est nommé directeur de l'Académie royale par le ministre de l'Intérieur, Emmanuel Crété. Son directorat durera 10 ans, ce qui est quand même exceptionnel, durant lesquels il peindra, entre autres, son Brutus, dont les esquisses étaient exposées au salon de 1795. 1798 et 1801. Il a pratiquement bâti sa carrière sur cette œuvre qu'il présenta sous différentes formes. Il faut rappeler qu'après Le Tiers, il faut arriver à Balthus, au XXe siècle pratiquement, pour qu'un directeur de l'Académie fasse plus que 10 ans, puisque les délais c'était 5 et 6 ans. À propos de la version de 1788, acquise par le Clark Institute, Olivier Meslet, directeur de Hardimond chez Clark, déclare « Brutus condamnant ses fils à mort est important à la fois pour son exécution magistrale et pour sa place dans le canon de l'histoire du monde de l'art. C'est une peinture iconique et prophétique qui a touché le public français » à un moment où le rôle de l'histoire dans la compréhension et l'interprétation des questions contemporaines n'était peut-être jamais plus instructif ni plus impératif. Esther Bell, conservatrice en chef
à Clark Institute déclare, à son tour, « L'importance de cette peinture ne saurait être surestimée. C'est une icône de la peinture et de l'histoire française. Comme son contemporain Jacques-Louis David, Le Thiers a joué un rôle essentiel dans la promotion des principes artistiques des Lumières. » Fin de citation. Et enfin, le chercheur réputé Henri-Louis Gate, professeur à l'Université Alphonse Fletcher et directeur du Centre Hutching pour la recherche africaine et afro-américaine à l'Université Harvard, déclare « J'ai été ravi d'apprendre que le Clark avait acquis un important tableau de Guillaume Guillon Le Thiers qui est largement reconnu comme le premier artiste français majeur d'ascendance africaine. » Gate a publié « The Image of the Black in Western Art » Harvard University Press et Institut de recherche du Centre Hutchins pour la recherche africaine et afro-américaine. Le chef-d'œuvre achevé en 1811 sera exposé au Salon de 1812 et à Londres en 1817. Acquis en 1819 par le comte Forbin, directeur général des musées royaux, il prend place au Louvre. Comparé au Brutus de David, cette œuvre fera parler d'elle. Honoré de Balzac, sensible à l'approche de Le Thiers, écrit « Vous avez vu le Brutus de Le Thiers et vous avez compris que la pensée de ce grand peintre n'a pas été seulement de mettre en œuvre une des scènes les plus dramatiques connues, mais qu'il a voulu reproduire la vieille Rome tout entière et qu'enfin Brutus, condamnant ses fils à mort, n'a été pour lui qu'un moyen le plus approprié de grouper les fondateurs de la ville éternelle à l'époque qu'il avait choisie. » Fin de citation. L'œuvre est à peine visible au musée du Louvre, alors que Clark Museum a pris toute la mesure de l'importance du peintre et de son œuvre. Bon, il faut dire que ce n'est pas la même taille. Hein. Notre ami nous disait que l'œuvre pèse 500 kilos. Ce n'est pas évident de gérer avec le cadre, bien sûr. Ce n'est pas 500 kilos de toile. Déjà au salon de 1785, Le Thiers avait présenté l'esquisse de Horace tue sa sœur Camille. David, lui, exhibait pour la première fois son célèbre serment des Horaces, dans lequel il représente l'ouverture d'un drame familial. Le Thiers, lui, en offrait le dénouement dans un réalisme cru, à l'instar d'un Goya, héritier postérieur comme lui du Caravage, avec une sensibilité chromatique indéniable. C'est mon point de vue. Ses choix artistiques et techniques feront ensuite de lui le propagandiste officiel de la Révolution. Ça, c'est pas de moi. Il peint La Patrie en danger, 1799, proclamé plus tard chef-d'œuvre du musée de la Révolution française. Dans ce contexte historique tendu, il sera décoré en 1814 de l'Ordre de la Réunion par le général Miollis, gouverneur général à Rome. De retour en France, 1816, chute de l'Empire, il a été élu à l'Institut. Le roi Louis XVIII refuse de ratifier son élection. Ses idées républicaines et sa mulâtritude en seraient la cause, non sans rappeler le sort, tout à l'heure je le disais, du Guadeloupéen, le chevalier de Saint-Georges, qui s'est vu un peu plus tôt refuser la direction de l'Opéra. En 1818, il est à nouveau réélu, cette fois, le roi accepte. Il reçoit la croix de la Légion d'honneur. En 1819, il est nommé professeur à l'École des Beaux-Arts de Paris. Son buste en bronze siège encore dans la bibliothèque de l'institution. Le serment, on y vient. Une toile emblématique qui a fait beaucoup parler d'elle, en plus des doubles restaurations qu'il y a eu, puisqu'il faut savoir qu'elle a été abîmée deux fois. La deuxième fois à cause du tremblement de terre, et restaurée au Louvre. En 1822, l'immeuble abritant son école est mis en vente. Guillaume Guillon Le Thiers obtient du ministère de l'Intérieur l'autorisation de poursuivre son enseignement au sein de l'Institut où il a ses appartements. C'est d'ailleurs cette année-là et en ces lieux, dans un contexte de mouvement idéologique abolitionniste et de rébellion dans les colonies, qu'il peint son œuvre la plus subversive, la plus politique, le serment des ancêtres. La seule œuvre où il renseigne ses origines et sa date de naissance. Il signe Guillaume Guillon Le Thiers, né à la Guadeloupe en 1760. Un message pour la postérité, pardon, s'accorde-t-on à dire, mais surtout un hommage aux valeureux insurgés d'Haïti, comme pour dire « Je suis des vôtres ». Nous y reviendrons plus tard avec une description plus détaillée de cette toile. Contrairement à ce qui est diffusé, ce n'est pas la seule œuvre où il met en scène des hommes de couleur. En 1807,
En effet, à peine avait-il entamé son directorat à Rome, il rendit hommage dans une œuvre magistrale à Saint-Benoît de Palerme, surnommé le Mort à cause de sa couleur noire, la couleur noire de sa peau, à l'occasion de sa canonisation. Nous reviendrons tout à l'heure sur le serment. La patrie en danger. Déjà en 1799, dans La patrie en danger, je parlais tout à l'heure d'hommes de couleur, la présence subtile d'hommes de couleur noire et mulâtre apparaît comme une volonté de présenter les colonies françaises et par là même symboliser l'abolition de l'esclavage voulue et décrétée par la Convention en 1794. Alors, je ne sais pas si on peut voir bien ici, mais je vais me lever pour essayer de vous montrer où on peut voir des hommes de couleur. Désolé, oui, je disais qu'on a ici un homme de couleur, on en a un ici, d'accord, et puis dans la mêlée, il y en a d'autres, mais l'image n'est pas assez nette pour que je puisse vous les montrer. Alors, ne serait-ce pas dans ce cas précis où il introduit subtilement des personnes de couleur, une manière pour lui de manifester son âme révolutionnaire, son engagement, une position idéologique, qui sait. Le tiers terminera sa vie dans la souffrance, marquée par la mort de plusieurs de ses enfants et petits-enfants. Il décède le 21 avril 1832 aux 3 rue Mazarine, à l'Institut des Beaux-Arts, là même où il résidait. Monsieur Debré, président de l'Académie des Beaux-Arts, ainsi que Alexandre Dumas, l'auteur des Trois Mousquetaires, prononce un élogieux discours sur sa tombe au cimetière de Montmartre. C'est un compte-rendu de l'Académie des Beaux-Arts, 28 avril 1832. Le parcours et l'œuvre de Lethiers nous amènent à le positionner davantage vers la fin du néoclassicisme et la porte du romantisme. Comme David et Ingres, Lethiers fut par le choix de ses thèmes ainsi que la primauté accordée à la ligne un peintre néoclassique dont les fondamentaux se résumeraient à l'admiration portée à la République romaine et au canon grec par la primauté accordée aux symboles et aux formes issues de l'art antique. En deuxième lecture, je m'avance, je m'y risque, il fut indubitablement dans l'esprit, le tempérament et les valeurs qu'il portait, un des maillons assurant la transition du néoclassicisme au préromantisme, et par conséquent une référence pour certains jeunes peintres, ses élèves dont il a très probablement insufflé des préceptes. On peut difficilement imaginer qu'il n'y ait pas une quelconque influence lorsqu'on a à sa charge la formation de jeunes esprits. Une étude de ses œuvres, notamment Brutus condamnant ses fils à mort, Horace tue sa sœur Camille, La patrie en danger et même La mort de Virginie, esquissée et présentée en 1795, peinte en 1828 et exposée en 1831, viennent alimenter cette hypothèse. Plus significatives sont les études comparatives réalisées sur plusieurs de ses peintures avec celles de David, d'Ingres, de Delacroix, Géricault, Goya. L'angle révolutionnaire qu'il aborde dans ses œuvres, dont le caractère subversif se lit dans son approche des sujets brûlants d'actualité, sa technique picturale, son traitement de la matière et l'éclat des couleurs, du paysage, et les libertés qu'il s'accorde dans le traitement de l'atmosphère et des paysages, certains drapés libérés du souci du détail que l'on peut observer sur ses derniers travaux, concourent à le positionner à la sortie du néoclassicisme. De ses élèves, outre le célèbre Théodore Rousseau, de l'école de Barbizon, ou le pointois Jean-Baptiste Gibert, un premier prix de Rome, qui malheureusement est décédé bien trop tôt, bien trop jeune. Il faut surtout retenir le romantique Louis Boulanger, mais aussi Eugène François Marie-Joseph de Véria, qui sont les deux principaux représentants du mouvement romantique en peinture aux côtés d'Eugène Delacroix. Théophile Gautier, dans sa rédaction de l'histoire du romantisme, nous dit de Véria. Il avait seulement 22 ans à peine,
lorsqu'il apparut l'un des plus beaux espoirs du romantisme naissant. À cette époque, il était encore élève de Lethière. Le serment des ancêtres. Je vous disais qu'on allait y revenir. En réalisant cette œuvre, on peut supposer que Lethière avait une triple intention. La principale, liée à son esprit républicain, son attachement aux valeurs de justice et de liberté. Cette œuvre est l'expression de ce qui fonde la pensée républicaine, héritage de la Révolution de 1789, liberté, égalité, fraternité. Selon Gérard Alexis, peintre et historien de l'art des Caraïbes, d'origine haïtienne, Lethière aurait voulu illustrer un mythe réparateur de la fin à la fois légendaire, tragique et humiliante qui fut réservée à Toussaint Louverture. De plus, en tant qu'ami du général Alexandre Dumas, il connaissait ses mésaventures liées à ses origines haïtiennes. Fils lui-même de femme noire, que son teint trahissait, il a essuyé de blessantes et récurrentes attaques en révélant dans une œuvre d'envergure la grandeur, le courage, le mérite des siens à travers ces deux géants qui ont arraché victorieusement l'indépendance de leur pays. C'est un message personnel qu'il transmet aux générations futures. Plus généralement, sachant que l'iconographie noire de l'époque était rarement valorisante, en présentant ces héros dans leur uniforme d'officier de haut rang, Lethière fait œuvre de réparation d'injustice. La seconde s'adresse à la postérité. C'est l'expression de son appartenance à une communauté d'hommes en lien avec les événements qui secouent les colonies. Par ce thème, honorant les valeureux insurgés, les rebelles, le peuple d'Haïti, c'est sa part de négritude qu'il exprime. En signant cette toile, la seule où il représente des afro-descendants, là je cite Geneviève Capi, ce que je ne partage pas puisque j'ai découvert d'autres œuvres comme je vous le montrais tout à l'heure. Donc Geneviève Capi disait la seule avec la mention de ses, la seule où il a représenté effectivement des hommes de couleur, il a voulu faire savoir à la postérité que l'un des leurs avait fait ce tableau en hommage à la nation haïtienne qui venait de conquérir son indépendance. Donc c'était, vous l'avez compris, une citation de Geneviève Capi et Florent Laballe. La troisième s'apparente à un soutien de l'acte révolutionnaire de ses frères et sœurs rebelles de Guadeloupe. Lethière ne pouvant ignorer leur sacrifice, il semble difficile de ne pas y voir une intention de saluer l'engagement et l'audace des Delgrès, Ignace, Rosemart, Solitude, Massotto, Palerme, Kiwan et tant d'autres qui courageusement ont préféré mourir libre plutôt que de vivre enchaîné. Son allégorie romantique est le traitement d'une réalité, son actualité qui lui a forcément rappelé qui était sa mère. Des deux inscriptions sur la stèle à travers le célèbre « Vivre, libre ou mourir » de Delgrès, nous serions tentés d'y voir un adressage à la mémoire des martyrs de Guadeloupe, ses proches. Alors, c'est vrai que je vois difficilement Guillaume Lethière, avec ce qu'il a vécu, ses amitiés avec des afro-descendants comme lui, apprenant le rétablissement de l'esclavage en Guadeloupe sans que ça évoque pour lui quelque chose par rapport à sa famille en Guadeloupe, notamment sa mère, puisqu'il faut savoir que certains hommes de couleur ont perdu cette liberté qu'ils ont eue. Donc sa mère était probablement menacée. Questionnement. Lethière, l'antiquisant, pouvait-il annoncer un certain pré-romantisme? En quoi le serment des ancêtres pourrait-il nous éclairer sur ce postulat? Bien que néoclassique dans ses compositions allégoriques, Lethière est d'un esprit résolument moderne annonçant le pré-romantisme. Même si la référence allégorique est antique, l'intention d'une transcription révolutionnaire républicaine est ici fortement exprimée. Aussi insolite que cela puisse paraître, autant que sa disparition dans les références de l'histoire de l'art, le caractère précurseur de Lethière trouve son sens dans son parcours et à l'étude de ses œuvres. La paucité des ressources historiographiques sur ce peintre rend nécessaire l'approche herméneutique. L'historien allemand Hans Naff, qui écrit dans une biographie consacrée à Ingres, que Lethière créait ses propres allégories chargées de symboles politiques sur des questions de rapport entre l'État et les citoyens. C'est en mettant en regard les œuvres de Lethière avec celles de peintres romantiques que l'on peut se risquer
à la démonstration de cette influence. L'esquisse de l'œuvre Horace Tussasseur Camille, exposée au Salon de 1785, présentait, selon la critique de l'époque, toutes les caractéristiques d'une œuvre moderne, révolutionnaire, avec une liberté dans le dessin, les touches et dans la couleur qui rappelle sans conteste le romantisme de Delacroix et Géricault. Liberté du traitement que l'on retrouve dans le serment. Mais ce qui classe véritablement cette œuvre dans le registre romantique, c'est cette distanciation avec le passé antique pour traiter un fait d'actualité, l'une des singularités propres au romantisme. Comme Goya avec Dos Mayo, 1814, montrant le début du soulèvement des Espagnols contre les troupes d'occupation napoléonienne en 1808, ou Géricault avec le naufrage de la Méduse, 1817, l'événement qui a fait scandale, ou encore Delacroix qui peint La liberté guidant le peuple en 1830. Au lendemain de la Révolution de juillet, Le Tiers avec le serment est en plein traitement de son histoire contemporaine. Il l'avait déjà fait avec La patrie en danger, cette œuvre qui, bien que construite sur des règles classiques, tout comme Le massacre des Chiots, La mort de Sardanapale ou encore La liberté guidant le peuple de Delacroix, traite d'un fait complètement d'actualité, obligeant l'artiste à des transgressions de forme. Ce fut le cas pour Delacroix avec La mort de Sardanapale. Le personnage principal est inactif, cela fait ressortir par contraste le désordre et l'animation autour de lui. On retrouve cette idée que l'histoire échappe à ses acteurs, comme elle échappe dorénavant aux règles de composition classique. La temporalité de l'actualité qu'il traite renverse complètement les attendus de la peinture d'histoire, comme les romantiques, qui se rangent du côté des modernes, par opposition aux classiques, qui se rangent du côté des anciens. On pourrait affirmer que Le Tiers introduit l'état d'esprit révolutionnaire du fait de cette interprétation innovante chez les romantiques de leur actualité féconde. Je vais donc vous montrer quelques œuvres de Le Tiers avant de vous remercier. Ici, nous avons quelques esquisses, des dessins. Une grande œuvre que j'aime bien, Le jugement de Paris. Une grande œuvre vraiment néoclassique. On est en plein dans le néoclassicisme. Joséphine. Et un portrait. Ce n'était pas le spécialiste des portraits. Hein. D'ailleurs, on va le voir avec notre ami Georges Vigne. Non. C'est Ingres, le vrai portraitiste. Et une autre œuvre que j'aime bien, La mort de Caton d'Utique, que j'aime bien comparer avec La mort de Marat de David. Ce n'est pas la même thématique, ça n'a rien à voir, mais c'est dans la facture, dans le traitement, dans le style. Je trouve que sur le plan du dessin, de la maîtrise de l'anatomie, du corps, c'est une de ses œuvres réussies. Et pour le fun, j'avais voulu mettre ces deux œuvres qui nous montrent que les fondamentaux, justement, qui sont transmises, insufflées par l'académisme, sont encore présents dans l'œuvre de Delacroix. Tout en étant romantique, il s'appuie sur les mêmes principes de composition. D'ailleurs, on trouve encore actuellement des artistes, des peintres qui s'inspirent de ces fondamentaux dans la construction de leurs œuvres, pourtant des œuvres modernes, contemporaines. Voilà, je vous remercie. De vibrants applaudissements pour ce travail de qualité, d'excellence. Alors pour ma part, je dirais que c'est un vrai travail de recherche qui s'appuie sur une démarche scientifique rigoureuse, sur un sujet que Richard Victor, un artiste qu'il aime, qu'il apprécie énormément, et on sent toute sa passion, je ne sais pas s'il vous l'a communiqué. C'est une démarche scientifique, car il y a la rigueur du scientifique. Ensuite, c'est vraiment aussi une trame historique, une trace d'existence d'un homme qui a marqué ses contemporains, qui nous marque. Et franchement, eh bien, on retrouve derrière sa recherche des problématiques différentes, mais également des certitudes, des hypothèses, des frustrations également, hein, un sentiment d'incomplétude à certains moments. Et franchement, on a là un vrai travail donc, de chercheurs
Et franchement, eh bien, je te félicite de cette expertise, malgré le manque d'informations. Hein. Donc, à un certain moment, il a osé fouiller, hein, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'il ne vous a pas dit, hein, mais c'est ce travail de fourmi, hein, de reconstituer, avec, alors que des fois, eh bien, les documents écrits ont disparu. Alors, dans la même approche, hein, donc on va écouter maintenant un historien également. Juste avant, oui. Si tu me permets, je tiens à remercier, te remercier pour tes propos, mais je voudrais surtout m'excuser, puisque j'ai eu un petit incident technique et j'ai dû prendre des notes froissées pour vous faire cette présentation, parce que mon iPad... ne fonctionnait pas, voilà. Donc, c'est pour ça que j'étais pas très à l'aise. Voilà, je tenais à le préciser. Alors, sans plus tarder, donc, je passe la parole à Georges Vigny. Donc, à vous l'honneur. Mille merci. Bien, ma communication, si on peut appeler ça comme ça, je l'avais intitulée « Brutu aïe ». Brutus contre Brutus, mais je lui ajoute un sous-titre qui est « Attention, un tableau peut en cacher un autre ». Je vais vous faire une petite démonstration, mais afin que vous puissiez bien la savourer, c'est-à-dire la comparaison entre le Brutus de David et le Brutus de Guyon le Tiers qui nous occupe aujourd'hui, je vais vous en faire une autre, un peu comme un apéritif, avec deux tableaux d'un peintre allemand beaucoup plus tardif, Franz Xaver Winterhalter. Et la première image va vous surprendre, évidemment, par rapport à la thématique de ce soir. Comment on fait ? On fait comme ça ? Voilà. Je voulais vous parler de ce tableau qui représente, vous l'avez certainement reconnu, l'impératrice Eugénie et ses dames d'honneur, qui est conservée au château de Compiègne. 1855. C'est un tableau commandé par l'impératrice, mais vous voyez que l'impératrice n'a pas de chapeau, elle est en cheveux, comme on disait à l'époque. Elle n'a pas son sceptre, elle n'a pas son manteau d'hermine, elle n'est pas reconnaissable comme impératrice. Et toutes ces dames, qui sont très bien habillées, qui sont en robe de bal, sont en train de s'asseoir dans l'herbe. C'est évidemment une image... fort sympathique, fort belle et agréable, mais qui n'est pas du tout impérial. C'est un tableau qui est d'une incroyable étrangeté iconographique, dans le sens où la majesté qui sied à une impératrice n'est absolument pas montrée ici. Et je pense que Winterhalter, recevant cette commande privée, hein, de l'impératrice, s'est inspiré pour réaliser un tableau en très peu de temps, en 4 mois. Il s'est inspiré d'un tableau plus ancien qu'il avait présenté au salon 2 ans plus tard et qui s'appelle Florinde. Florinde est aujourd'hui conservée au Metropolitan Museum à New York. Vous voyez que la composition est similaire des dames formant une ronde, assises dans l'herbe, au milieu des arbres, et avec un personnage principal au centre. Évidemment, il y a une grande différence, c'est que dans Florinde, les dames sont nues. Et il était hors de question, évidemment, de représenter Eugénie dans le plus simple appareil. Mais je me suis posé la question de savoir pourquoi Winterhalter s'était inspiré, très visiblement, de son tableau de 1853 pour faire celui de 1855. Il faut se rappeler que... Enfin, se rappeler. Il faut vous dire, parce que c'est une histoire qui est peu connue, que Florinde est une maîtresse, volontaire ou pas, du dernier roi des Goths en Espagne. Ça se passe au 8e siècle, le roi s'appelle Rodrigue. Et Florinde est donc un personnage espagnol. Et en même temps, c'est une femme qui constitue une sorte de mésalliance pour le roi Rodrigue, puisque c'est une simple maîtresse qui n'est même pas noble. Vous voyez que Winterhalter, dans le tableau de l'impératrice, introduit quelque chose qui n'est pas visible dans le tableau, mais qu'on doit
par rapport à celui-ci réalisé, eh bien, c'est qu'il représente une Espagnole, mais une Espagnole de petite noblesse et qui certainement a constitué pour, dans son mariage avec Napoléon III, une mésalliance. Vous voyez que la critique par le peintre est très subtile, puisqu'elle ne se voit pas, elle n'est pas ouvertement exprimée, mais Eugénie est une Florinde rhabillée et Winterhalter dit un petit peu comme le pensaient tous ses contemporains qu'Eugénie de Montijo n'avait pas mérité de ceindre la couronne impériale. Ceci est une façon de vous présenter l'analyse d'un historien d'art par rapport à des œuvres d'art qui sont muettes, qui ne sont pas forcément qui ne sont pas capables de nous raconter pourquoi elles ont été faites, comment elles ont été faites et avec quelles intentions. Donc, c'est là où nous allons parler de David, Jacques-Louis David, qui n'a pas été le maître de Guyon le Tiers, puisqu'il était élève de doyen, mais Guyon le Tiers a fréquenté son atelier. David était un artiste incontournable depuis le règne de Louis XVI. Je vous montre deux tableaux de David. La copie du célèbre Marat de 1793, ça c'est la copie qui est au Louvre, l'original est au Musée Royal à Bruxelles, qui montre que David a été le peintre de la Révolution française et des héros de la Révolution française. Et puis un deuxième tableau, évidemment, le Sacre, qu'on appelle le Sacre de Napoléon, mais qui est en fait, vous le voyez, le Sacre de Joséphine, puisque Napoléon a déjà sa couronne sur la tête. Il est, après la Révolution, le peintre de l'Empire. Ce qui va lui coûter, évidemment, tous ses postes et sa notoriété avec le rétablissement de la royauté en 1815. David, comme on le sait, finira sa vie à Bruxelles, où il est d'ailleurs toujours enterré. Certaines personnes ont milité, au moment du bicentenaire de la Révolution française, ont milité pour le rapatriement de David en France. Mais non, David est toujours à Bruxelles. Et Goya, et lui, par contre, avait été rapatrié à Madrid. Donc, pourquoi pas, hein. En 1700, donc, il faut remonter presque à l'origine du néoclassicisme. Ce tableau est évidemment un moment très important dans l'évolution de l'art. 1784, le serment des Horaces, présenté au Salon, commande de Louis XVI, et qui est le premier grand tableau néoclassique, avec une rigueur quasi archéologique, et qui est un modèle de ce qu'on a appelé la peinture vertueuse. La vertu antique, ce sont les sentiments nobles, les expressions fières et pleines de dignité. Vous voyez, les femmes sont respectueuses, enfin elles ont de la douleur, mais elles sont en silence, elles sont tout à fait respectueuses de ces messieurs qui sont un petit peu bravaches, enfin ils sont là, ils vont se couper probablement un doigt en prenant leurs épées, mais ils sont là comme ça, ils sont très fiers. En 1789, David présente au Salon ce tableau, évidemment, qui va nous retenir un petit peu, les lecteurs rapportant à Brutus les corps de ses fils, qui est une seconde commande de Louis XVI, qui n'est pas tout à fait le pendant du serment des Horaces, parce que les dimensions des deux tableaux ne sont pas les mêmes, mais qui est une sorte de second manifeste du néoclassicisme. Alors, c'est quoi l'histoire de Brutus ? Brutus, ça n'est pas le fils adoptif de Jules César. Hein. Celui-ci, c'est un consul romain de l'époque de la République
Et il a eu la très bonne idée de faire mettre à mort ses deux fils qui s'étaient alliés avec les Tarquins. Les Tarquins, c'était un peuple un peu ennemi de Rome, pour rétablir la royauté à Rome. Nous sommes à l'époque de la République, et les fils ont voulu rétablir la monarchie. Brutus a dit, ce sont des traîtres, qu'on leur coupe la tête. Et donc, c'est le moment où les corps des fils sont ramenés à la maison, et évidemment, Brutus est au premier plan à gauche, sombre, c'est là à la fois la détermination et l'inflexibilité, et à droite, ce sont les femmes qui accueillent ces cadavres avec beaucoup d'expressivité, beaucoup de gesticulation, des cris de la douleur et des pleurs. Alors, l'histoire de Brutus, elle n'est pas nouvelle sous le pinceau de David. Quelques artistes avaient représenté un peu la mort des enfants de Brutus, mais tout ça vient d'une très très lointainement d'une tragédie de 1730. Vous voyez, ça nous ramène près de 50 ans plus tard. Une tragédie de Voltaire que, pour vous, j'ai eu le déplaisir de lire parce qu'elle est très très mauvaise. C'est une tragédie qui est très très difficile à lire parce qu'elle est essentiellement politique, et on n'y voit pas les femmes, on n'y voit qu'un seul fils. Enfin, ça n'a aucun rapport avec le tableau de David, mais l'idée de ce consul républicain était dans l'air déjà du temps des philosophes. Il est intéressant de savoir que ce tableau était exposé au salon de 1789, au moment même où on prenait la Bastille. Donc l'idée de république n'était pas encore tout à fait inscrite dans les esprits, mais elle était déjà en marche, et elle était en marche dans le tableau de David. L'image suivante. 6 ans plus tard, notre Guillaume le Tiers réalise un autre épisode de l'histoire de Brutus et de ses fils. Mais ça n'est pas les lecteurs qui rapportent les corps, c'est carrément l'exécution des deux fils. Vous avez le premier fils qui est décapité, on voit sa tête brandie par un bourreau, et le deuxième qui est porté plus ou moins par des fidèles, qui est presque évanoui, mais devant son père qui est sur une sorte d'estrade et qui signifie au bourreau de l'exécuter, c'est-à-dire le premier est mort, qu'on exécute le deuxième parce qu'ils ont droit au même châtiment. Ce qui est très étonnant, c'est cette proximité de date entre le Brutus de David et celui de Guillaume le Tiers. Surtout qu'il avait présenté il présente ça en 1795 et il présente en 1801 une esquisse. On ne sait pas si c'est une peinture ou un dessin, mais en affirmant que cette esquisse datait de 1783 et qu'il l'avait réalisée à Rome. Or, en 1783, Guillaume le Tiers était encore à Paris, puisqu'il ne se rendit à Rome qu'en 1786. Donc, il y a un petit mensonge qui est peut-être une erreur du monsieur qui a imprimé le livret du salon, ou peut-être un défaut de sa mémoire. Probablement, cette esquisse, on peut bien le croire, a été faite à Rome, donc avant la présentation du tableau de David au salon de 89, mais c'est, à mon avis, très intentionnel de la part de Guillaume le Tiers, c'est de dire c'est moi qui ai eu l'idée le premier. Et donc de s'affirmer rival de David en disant moi j'ai fait une scène d'une grande vertu, c'est-à-dire la condamnation à mort et l'exécution des fils, alors que toi, David, tu as fait des femmes qui pleurent, qui crient, qui se tiennent mal, qui se tordent. Le tableau est évidemment beaucoup plus austère
dans cette version donc du musée de Williamstown. Ce musée, en acquérant il y a quelques mois le tableau présenté au salon de 1795, a acquis en même temps le dessin, un dessin préparatoire où vous avez au premier plan des personnages qui tendent les bras. Bon, il a supprimé tout ça. Il a réellement fait un tableau d'une grande rigueur et d'une grande austérité. Et ils ont acquis également la gravure présente la scène. Alors, cette scène, elle a une connotation en 1795. Une tête brandie, c'est évidemment une évocation de la guillotine. Évidemment, de la terreur qui vient de se terminer. Évidemment, des contre-révolutionnaires qu'on a exécutés pendant cette période. C'est un tableau très républicain, mais en même temps, l'iconographie antique, enfin le sujet est antique, mais l'iconographie est très contemporaine. C'est ça qui est très étonnant dans ce tableau. Non, j'ai fait une bêtise. Alors, par rapport à la version de 1801, qui serait donc une esquisse très antérieure, on a peut-être un dessin qui se trouve au Louvre, qui est attribué à Guyon le Tiers, on ne sait pas trop, mais où la scène est 10 fois plus dramatique. Vous avez une tête là qui roule un peu comme une boule de pétanque, et vous avez le deuxième fils, alors lui qui est franchement battu à mort. Peut-être ce dessin est en rapport avec une des versions du tableau qui nous est malheureusement aujourd'hui perdu. Voilà le tableau définitif, parce que l'artiste va travailler sa composition pendant plus de 15 ans, puisqu'il présente en 1812 seulement la version définitive, donc celle qui pèse 500 kilos avec son châssis et son cadre, et qu'on peut à peine voir dans la salle de nom au Louvre, parce qu'elle est accrochée à 5 mètres de haut avec des projecteurs qui empêchent toute vision correcte. Entre les deux tableaux, celui de Williamstown et celui du Louvre, il y a une grande différence. D'abord de date, évidemment, 1795-1812, et puis d'iconographie, puisque la tête brandie devant le peuple a disparu, elle est dans un sac. Il n'y a plus en 1812 de nécessité à montrer une tête décapitée. Nous sommes à la fin de l'Empire et on a évidemment considérablement apaisé les rigueurs contre les monarchistes. Donc il y a, disons, un adoucissement du sujet et de l'iconographie de ce tableau. C'est un peu le cas au niveau de la durée, et même pire, avec la mort de Virginie. Guyon le Tiers est un monsieur qui représente beaucoup de morts, la mort de Caton, la mort de Camille, la mort de Virginie, la mort de... Il est très sanguinolent comme artiste. Hein. Et la mort de Virginie, je vous en présente une image, mais on en a vu une tout à l'heure qui était bien meilleure. Mais ça, c'est une esquisse qui se trouve à Lille et qui montre un peu le même genre de composition, c'est-à-dire une diagonale qui est très, très sévère, qui va du monsieur qui exécute jusqu'à la victime. La diagonale dans le Brutus de Guyon le Tiers, c'est évidemment la diagonale du coup près de la guillotine, qui est très significative. Revenons un instant au Brutus de David, parce que Guyon le Tiers, et c'est un peu la chose que je vous avais montrée avec Winterhalter, d'une façon un petit peu acrobatique, mais bon, Guyon le Tiers nous apprend quelque chose sur David, c'est que le héros de ce tableau est un pleutre, est un lâche, il n'assiste pas au supplice de ses fils. Il est dans l'ombre. Il ne veut même pas regarder les cadavres qui rentrent dans sa maison. Ce sont des choses qui se voient sur le tableau, mais qu'on ne remarque pas,
dont on n'a pas conscience quand on voit le tableau au Louvre. Car, il a tout de même une attitude relativement noble, ce Brutus, mais on ne remarque pas à quel point il est cloîtré, paralysé dans une ombre qui est quand même très étrange pour le héros d'un tableau. Alors que nous avons des femmes qui, malheureusement, ne sont pas un modèle de vertu et de vertu politique. Elles sont des mères et des sœurs qui se lamentent. Il n'y a que la servante qui a une douleur digne. Mais il faut dire que ces dames sont dans une situation familiale quand même très, très dramatique. Et vous voyez que le licteur qui porte le brancard regarde la mère de famille d'une façon très, très... Il lui fait des reproches par le regard. Et vous voyez sa main sur la colonne, près de la chaise, là, la première colonne. Vous voyez l'ombre de sa main qui est comme un doigt en disant « Tais-toi, vilaine. Tais-toi, vilaine, tu fais du bruit. » Là. Il y a évidemment dans ce tableau une sorte d'inversion par rapport au serment des Horaces, par exemple, une inversion des valeurs, c'est-à-dire que les personnages principaux ici, ce sont les femmes, et les femmes expriment un désespoir plus prosaïque, mais qui n'est pas un modèle de vertu civique et politique. Ce sont des dames qui sont habituées à manier l'aiguille plus que le glaive. Et évidemment, David a fait une magnifique Nature morte, qui est un de ses morceaux de peinture les plus admirables. Parce que la composition est évidemment phénoménale dans ce tableau. Vous avez un jeu de lumière qui est très très compliqué. Vous avez quatre sources de lumière, quatre sources d'éclairage par le haut. Vous avez deux ouvertures par le haut, vous avez une porte à gauche et vous avez une porte au premier plan. Nous ne sommes pas dans un atrium, nous sommes franchement dans la cour d'une grande villa romaine. Bon, une cour où on installe une table avec une nappe, des chaises. Bon, il pleut en Italie, il pleut très souvent. Donc l'archéologie dans ce tableau est assez fantaisiste, mais assez drôle en même temps. Il y a donc tout ce qui est dramatique et dans la lumière, c'est-à-dire les corps des deux suppliciés et les femmes, et tout ce qui est sombre, menaçant et du domaine à la fois du remords et de la poltronie, ça existe, non ? Le poltron, tout ça est dans l'ombre. Il y a quand même de la médiocrité dans le personnage de Brutus. Et ça, nous le constatons par le tableau qui ont le tiers, qui lui est d'une rigueur implacable. Tous ces personnages romains ont leur toge, il n'y a pas un pli qui dépasse, tout ça c'est il y a une espèce de grande dignité, il n'y a pas de pleurs, il n'y a pas de cris, hein. Et alors, il y a un mot que j'adore dans la langue française, c'est l'isocéphalie. L'isocéphalie, c'est toutes les têtes à la même hauteur. C'est un principe qui vient directement de l'art grec. Les grandes frises du Parthénon, il y a de l'isocéphalie un peu partout. Et évidemment, les monuments, le paysage, tout concourt à faire quelque chose de digne, de stable, d'immuable. Mais en même temps, le drame n'en est que plus viril, car c'est un tableau très viril, alors que le tableau de David est beaucoup plus féminin que viril. Et on peut donc se poser, c'est ma conclusion, la question de savoir lequel des deux a le mieux réussi. Je pense que David a fait un tableau poétique, avec de l'animation, avec de la couleur, avec de la lumière, avec...
mais qu'il a un peu raté l'intention, hein, le propos, on va dire l'idéologie de son tableau. Alors que Guillaume Lethière, lui, fait un tableau impeccablement néoclassique, impeccablement vertueux, mais en même temps, bon, un petit, peut-être un peu sec, un petit peu compassé. Mais ça, il y a quand même des qualités plastiques dans chacun de ces deux tableaux, et je vous laisse les apprécier autant l'un que l'autre, mais sachez qu'ils sont en concurrence directe l'un avec l'autre, et qu'ils ont participé à 30 ans d'intervalle, hein, à l'histoire du néoclassicisme français. Je vous remercie. Merci. C'est un plaisir. Donc, merci, Georges, pour cette analyse comparative, hein, entre David et Guillaume Lethière. Donc, deux approches un peu différentes. Et pour les novices, comme beaucoup d'entre nous, eh bien, c'est vrai que nous en avons appris énormément. Alors, bien sûr, c'est un débat, hein, donc c'est interactif. Ce qui serait intéressant, c'est qu'on puisse allumer la salle de façon à ce qu'on puisse se voir, les différents convives. Et puis là, maintenant, eh bien, on va poser des questions. Hein. Donc, si vous avez des éclairages, hein, profitez de l'occasion, car c'est une très belle occasion. Donc, voilà. Alors, je crois qu'il y a un micro baladeur quelque part. Il est là. Ouais, voilà. Ou bien vous parlez à haute intelligible voix. On va le. Là. Et nous ne mordons pas. Hein, voilà. Donc, il n'y a pas de problème. Voilà. Posez toutes les questions que vous voulez. La première est toujours dure à sortir. C'est vrai, ça. Toujours. Et elles sont toutes passionnantes, voilà. Vos questions. Alors, vous présentez aussi. Hein, voilà, je pense. Ah, il faut allumer. Non, ça ne passe pas. Voilà, c'est bon. C'est bon. Ça va ? Oui, ça va. Oui. Jacques Urge. Je voulais, à partir des interventions que je viens d'entendre, et surtout la première, c'est-à-dire celle de M. Saint-Cylie, il est bien vrai que les deux interventions, même si elles se complètent, il y en a une qui porte sur la vie et l'autre qui porte sur la peinture. Et la première intervention de M. Saint-Cylie, qui porte sur la vie de Guillaume Lethière, me permet, et sans doute permettra à tout un chacun, de faire un parallèle avec le chevalier de Saint-Georges. Il est quand même assez surprenant que les hasards de l'histoire puissent nous donner cette possibilité de faire ce parallèle. Je m'explique. Nous avons deux enfants qui sont nés en Guadeloupe, qui ont pour mère des négresses, qui ont pour père des hommes blancs, et ces pères partent ou font venir leurs enfants avec eux en France, s'occupent de leurs enfants, leur donnent tout ce qu'il y a de meilleur afin qu'ils réussissent. À côté de ces deux vies parallèles, et quand je dis deux vies parallèles, on retrouve, hein, parmi ceux que vous avez dit, il y en a un qui, peut-être parmi les deux, un qui était plus sérieux, plus... comment dirais-je, dans son comportement. Avec le chevalier de Saint-Georges, nous avons quelqu'un de beaucoup plus turbulent, de beaucoup plus flambeur. Avec Lethière, peut-être quelqu'un de beaucoup plus, je ne sais pas si je dois dire ça, sérieux. Et je prends l'exemple quand il s'était présenté pour être membre de l'Académie des Beaux-Arts, où le roi avait refusé son admission. Quelque temps après, il a été reçu et sans doute... pas par hasard. Il s'est battu et il a été élu. Ils habitent les mêmes quartiers à Saint-Germain. Ils font le même sport, l'escrime, qui est un sport de noble. Et ils aiment la bagarre, ils se défendent et ils arrivent au plus haut sommet. Être à la Villa Médicis à cette période de l'histoire, ce n'était pas chose facile. Mais derrière tout ça, si aujourd'hui il y a une conférence sur Lethière, s'il y a eu des conférences multiples sur le chevalier de Saint-Georges,
c'est qu'il y a deux hommes derrière. Le père. Le père qui part avec l'enfant, qui s'occupe de l'enfant. Et pour... ce sont des familles qui sont très riches et qui fréquentent les cours royales. Donc, ils donnent aux enfants tout ce qu'il y a de meilleur. Ils n'avaient aucune obligation de le faire. Ils l'ont fait. Pour le chevalier de Saint-Georges, bon, la mère part avec l'enfant. Je ne connais pas la suite pour la mère de Le Thiers, si elle reste ici ou pas. Mais nul n'empêche que ces deux vies nous permettent de faire des parallèles extraordinaires, que l'histoire nous donne cette possibilité. Et pour ça, sans doute demain, d'autres, des historiens, je ne suis pas historien du tout, je lis comme tout un chacun, mais des historiens pourront faire ce parallèle entre ces deux vies qui sont quand même extraordinaires. Et cela ne m'étonne pas si la salle n'est pas remplie aujourd'hui, ça ne veut rien dire. Mais demain, elle sera remplie. Après demain, il y aura du monde. Comme le chevalier de Saint-Georges maintenant occupe nos bibliothèques et sa musique et tout ça, et bien demain, le Thiers sera aussi connu parce que je crois qu'il y a un problème de divulgation de son œuvre et de sa peinture. Et quand je dis qu'il a été beaucoup plus... je ne trouve pas le mot pour exprimer, mais sur la toile, le serment des ancêtres, il a signé en bas, il met « né en Guadeloupe ». Ça veut dire beaucoup de choses. Il était très violent aussi quand on l'attaquait. Je crois qu'il a tué quelqu'un. Donc il ne fallait pas lui dire n'importe quoi, il attaquait. Le chevalier Saint-Georges se battait à longueur de soirée. Donc c'est ça que je retiens. C'est extraordinaire ce que l'histoire peut nous donner. C'est ces enfants qui sont nés ici et qui partent avec leur père. S'il n'y avait pas ces pères-là qui sont des humanistes, on ne pourrait pas parler ce soir d'eux. C'est ce que je voulais dire ce soir. Une deuxième question on peut intervenir au fur et à mesure. Ça peut être comme monsieur, un avis, une intervention, pas forcément des questions. Je voudrais simplement compléter ce que Jacques Hurgin a dit en parlant de Chevalier Saint-Georges, pour faire la comparaison. Il faut que nous signalions aussi que Chevalier Saint-Georges a été un grand musicien et un screameur. Et il est né dans les hauteurs de Baïf, à Saint-Robert. Donc, et concernant ce que M. Saint-Cylie vient de dire pour le Memorial Act, c'est une très bonne idée, mais est-ce que nous pourrons faire venir un tableau de 500 kilos pour pouvoir, ou à moins... Madame, il y en a des plus petits. Il y a des plus petits. Alors, tant mieux s'il y a des plus petits. Mais ce qu'il a dit, c'est effectivement vrai. Il serait peut-être nécessaire de faire un tableau de Le Thiers venir chez nous, même deux. Je vous remercie. Il y a des tableaux beaucoup plus légers, beaucoup plus petits et tout aussi beaux. Mais il en sort, en ce moment, il en sort au moins deux par an. Donc, il faut les attraper parce que faire un tableau de 7,50 m sur 4,50 m, ça prend du temps. Donc, c'est pas, très certainement, pas un peintre qui a énormément réalisé d'œuvres, mais il est réalisé sur 15 ans, voire 30 ans. Donc, ses œuvres ne sont pas si nombreuses que ça. Mais, par un fait tout à fait hasardeux en ce moment, elles apparaissent. Elles apparaissent, des portraits, des scènes. Donc, si la Guadeloupe veut à Guyon Le Thiers, là, il y a trois occasions qui ont été ratées. Il faudrait peut-être s'accrocher à la prochaine. Et ça n'est pas si onéreux que ça. Pour le moment. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Étant donné qu'il Excusez-moi, n'a pas... Excusez-moi, j'aimerais bien avoir une question. Pourquoi Le Thiers a un H? Parce que quand vous l'avez écrit, c'était Le Thiers, collé, mais voilà, sans H. C'était ma première question. Ma deuxième question, vous avez parlé de l'école à Paris, l'école qu'il a fondée. Et qu'en est-il advenu et comment a évolué cette école?
Voilà, c'était pardon, la dernière question, reprenez s'il vous plaît. La dernière question, c'est que vous avez dit que monsieur le peintre Le Thiers a créé une école, l'école des beaux-arts, de peinture. Et qu'est-ce qui est advenu de cette école? Il avait un atelier. Un atelier, d'accord. Mais qu'est-ce qui est advenu de cet atelier? Alors, Les ateliers, ils meurent avec voilà, les maîtres. Voilà, les ateliers meurent, disparaissent avec le temps. Comme Le Thiers a disparu, son atelier a disparu. Donc, ce n'était pas une école, ce n'est pas un établissement scolaire qu'il a créé. Il avait son atelier, comme tous les peintres de l'époque avaient leur atelier et avaient des élèves. Oui. Voilà, Michel Rouvelas, ici, a eu son atelier à un moment donné. Il a eu des élèves, voilà. Juste en deux mots, le système de la formation des artistes. Il y avait des ateliers semi-officiel, c'est-à-dire que si on apprenait la peinture chez Ingres, chez Guyon Le Thiers, chez Guérin, chez David ou chez Delaroche, là on pouvait ensuite prétendre rentrer à l'école des beaux-arts. Dans des petits ateliers, non, on ne pouvait pas. Donc ces grands ateliers, c'est-à-dire les ateliers des grands peintres, des grands maîtres, il y avait la même chose pour les sculpteurs, évidemment, étaient ce qu'on pourrait appeler la petite école, c'est-à-dire ce qui préparait à l'école des beaux-arts. Mais le système était très compliqué. Mais c'est vrai que l'atelier d'Ingres, par exemple, a duré 9 ans, parce que quand Ingres est allé à Rome pour devenir directeur de l'Académie de France, eh bien, il a fermé son atelier. Donc, ses 300 élèves se sont retrouvés à la rue, si on peut dire. Pareil pour Guyon Le Thiers. Le jour où il a fermé son atelier, il y a d'autres peintres qui ont ouvert le leur. Ils sont allés dans d'autres ateliers. Première question, c'est sur le nom, le H. Oui, tu peux répondre. Si vous voulez, la présence du H dans son nom, donc Le Thiers, Le Thiers c'est le troisième, c'est l'explication probablement la plus logique. Le H, c'est réellement le fait qu'à l'époque la langue n'était pas fixée, l'orthographe n'était pas fixée, on mettait des Y. On écrivait Le Thiers ou Le Thiers avec un E à la fin ou sans E. Enfin bon, il faut savoir que c'est un grand écrivain français qui a fixé définitivement la langue française. C'est Gustave Flaubert. Pas avant. Avant, on écrivait n'importe comment. Et Stendhal n'écrivait pas comme Balzac, et Balzac n'écrivait pas comme Voltaire. Donc le H, eh ben, il y a un H de temps en temps, mais il disparaît au fur et à mesure des salons. Pratiquement à chaque salon, l'orthographe du nom de Le Thiers est différente. C'est pas fixé. On écrivait un petit peu en phonétique par moment. C'était son choix, puisqu'on a trouvé des œuvres où il écrivait avec le T-H-I-E-R, d'autres L-E plus loin T-I-E-R. Donc, c'est lui. Voilà. Oui, voilà. Merci. Bonsoir, Lurel, Félix. Alors, moi, je voudrais remercier nos orateurs pour la qualité de leurs interventions. C'était très dense, très riche. Mais une petite question. Effectivement, on a besoin de repères, je l'ai entendu. Il y a-t-il des établissements scolaires, par exemple, ou autres institutions qui font référence à Le Thiers, par exemple, puisqu'on a parlé donc du centre de ressources, c'est une porte, mais il y en a d'autres. Voilà, est-ce qu'on va retrouver ça? Deuxièmement, vous avez illustré aussi la discrimination dont il a été victime aussi, et donc comment on pourrait le réhabiliter? Puisque donc sa méconnaissance, elle vient de là également. Vous avez expliqué que ses œuvres étaient exposées d'une certaine manière assez peu valorisantes, ou en tout cas imparfaites. Voilà, donc ma question, comment on pourrait donc le réhabiliter? Je suppose que la démarche de ce soir contribue aussi à cela. Et puis, qu'en est-il de cette culture de la peinture actuellement dans nos territoires pour justement qu'il y ait donc d'autres Guyon Le Thiers. Voilà un peu les trois questions que je voudrais poser pour avoir donc cet éclairage. Parce que maintenant qu'on sait tout cela, qu'est-ce qu'on fait?
pour le réhabiliter. Alors, sur la première interrogation, la question de la transmission de la connaissance de Lethière, je peux donner déjà une indication, c'est que au niveau de la canopée de l'éducation nationale, il va y avoir bientôt en ligne une ressource sur les artistes de la zone Caraïbe et des Amériques, depuis l'histoire jusqu'à des artistes vivants actuels qui sont émergents ou reconnus. Et Lethière fait partie effectivement de cette ressource qui devrait permettre justement aux enseignants de transmettre dans leurs cours d'histoire du 19e siècle, voilà, le classicisme, le néoclassicisme, pourrait introduire, puisque maintenant c'est officiel, ça fait partie des ressources de l'Académie. Voilà, si ça peut répondre déjà à cette partie-là. S'agissant maintenant de façon plus large, alors, une anecdote rapide, je suis allé au Louvre, à la bibliothèque du Louvre, où on trouve les ouvrages sur tous les peintres, Ingres, David, etc. Et au départ, tout naïvement, ayant connaissance de l'existence de Lethière et à l'aile de nom ayant vu ses œuvres, je me suis étonné de ne pas trouver d'ouvrage faisant référence à lui. Donc, j'ai posé le problème au niveau de la bibliothécaire. Elle m'a répondu, et je suis resté bouche bée parce qu'elle avait totalement raison. Elle m'a dit, mais les ouvrages que vous voyez là ne sont pas des ouvrages écrits par le Louvre. Ce n'est pas parce que c'est la bibliothèque du Louvre que tout ce qui est là, c'est le Louvre qui le fait. Ce sont des auteurs qui s'intéressent. Alors, si un Montalbanais s'intéresse à Ingres, ben, il va écrire sur Ingres, un historien par exemple. On a Georges Vigne qui est spécialiste. Oui, mais je ne suis pas Montalbanais. Donc. Pas forcément Montalbanais, mais bon, spécialiste, il l'a fait. Et des auteurs écrivent sur des artistes qui les intéressent. Eh bien, voilà, elle m'a dit, ben, faites-le, vous. Il n'y a pas de Guadeloupéen qui peut s'intéresser à Lethière. Il n'y a pas de problème, il sera à la bibliothèque. Donc, la région, le département, la DAC, on va dire, tous ceux qui sont compétents pour permettre cela peuvent maintenant lancer un appel à projet pour que des historiens fassent le nécessaire et on aura à la bibliothèque du Louvre et ailleurs des ouvrages et peut-être demain dans les manuels scolaires. Voilà, c'est ce que je peux dire. Pourquoi pas? Je suis Nina Gélabal. Lorsque j'ai vu arriver l'invitation pour ce soir, j'étais très, très heureuse. Et je remercie l'initiative du Conseil de la Culture, parce que moi-même, j'ai eu connaissance de l'existence de Guillaume Guillon-Louis Lethière par Geneviève Capi et Florent Labal. Nous avons travaillé des heures et des heures ensemble dans les années 86, et nous avons, il faut le signaler, un autre amoureux en Guadeloupe de Guillaume Guillon Lethière, c'est l'ancien maire de Pointe-à-Pitre, le docteur Henri Bangou. Et je ne connaissais pas, autant qu'on connaît beaucoup le chevalier Saint-Georges et tout ça, donc j'ai appris à connaître Guillaume Guillon Lethière. Et je pense que cette initiative de ce soir peut être le point de départ à de la recherche, soit avec l'université, avec d'autres, ou même Saint-Cylie qui peut continuer ses recherches, parce que dans l'histoire même de Guillaume Guillon-Lethière, il y a quelque chose qui m'a échappé. Je me rappelle un jour, Geneviève m'appelle et me dit, une commune m'a appelé parce qu'on était en train d'exhumer un corps, et il paraît que c'est le corps de Guillaume Guillon-Lethière. Donc tout de suite, il a demandé au maire d'arrêter tout ça, on a conservé, et puis là maintenant, il faut peut-être que j'aille chercher dans mes archives pour savoir où, dans quel... Je ne me rappelle plus. Je ne me rappelle plus, mais il faut encore continuer cette... Je pense que Guillaume Guillon-Lethière, c'est un fils de Guadeloupe qu'il faudra mettre à l'eau. Il faudrait que partout, on le connaisse comme on connaît Chevalier Saint-Georges. Et j'ai vu que Cécilie a beaucoup hésité avant de dire qu'il est à l'origine de l'œuvre qui est au rond-point à French. Donc il l'a dit à la fin, mais il l'a dit quand même.
Donc, ceci étant pour l'histoire, la recherche doit continuer. Il y a beaucoup de points d'ombre. Et là, je vais parler en ce qui concerne les œuvres. Vous allez parler du Memorial Act. J'ai une mission actuellement. Je suis j'ai pour mission de créer l'établissement public qui va gérer le Memorial Act. Parce que le Memorial Act n'est pas géré. Le Memorial Act a été conçu et mis en activité dans des conditions que vous savez ou que vous ne savez pas. Mais ce n'est pas là l'essentiel. Mais ce point-là, je pense que ce sera parmi les priorités, à savoir comment faire rentrer l'œuvre et même une exposition, savoir comment, à partir du Memorial Act, qu'on puisse s'approprier de Guillaume Le Thiers. Voilà. Voilà, c'est pour ça qu'on insistait pour le témoignage donc, de Mme Jabal. Donc, je crois que quelqu'un d'autre a... Oui, alors, Rose-Liraki, et ensuite, M. Saint-François. Je voudrais profiter de la présence de l'historien d'art ou de l'expert en matière d'art, puisqu'il dit qu'il y a des tableaux de Guillaume Le Thiers qui sont en vente, qui sont même pas très chers, qu'on pourrait acheter. Donc il faudrait qu'on puisse profiter de sa présence, qu'il puisse nous donner quelques indications sur comment acheter, comment trouver et comment faire le bilan des œuvres de Guillaume Le Thiers au bénéfice de la connaissance en Guadeloupe de ce fils de la Guadeloupe. Merci. Très bien. Vous me posez une question qui est très judicieuse, mais il n'y a pas que des... Il y a des musées en Guadeloupe. Il y a, je pense, une DRAC, non ? Avec des conseillers, un conseiller musée. Il y a donc des instances qui peuvent surveiller le marché de l'art, parce que évidemment il ne suffit pas d'appuyer sur un bouton pour avoir tous les tableaux disponibles de Guillaume Le Thiers. Il n'y en a peut-être pas en ce moment, hein. C'est malheureusement pas comme ça que ça fonctionne. Un tableau apparaît, il peut apparaître 3 jours avant une vente, et puis on n'est pas forcément au courant. Mais ça peut, comme Herminie chez les bergers, être un tableau qui est pendant 2-3 ans, voire plus, dans une galerie d'art. À ce moment-là, on a le temps de se retourner. Et je dois dire qu'à l'époque, je n'avais pas songé aux origines de Guillaume Le Thiers. Je pensais faire acheter ce tableau par un musée métropolitain. Et je n'en ai pas trouvé. Parce que c'est un tableau absolument extraordinaire. Tapez sur internet Guillaume Le Thiers et Herminie chez les bergers et vous verrez un très joli tableau. L'acquisition d'œuvres d'art, d'abord il faut qu'il y ait une intention d'acquérir une œuvre d'art, et l'expérience, malheureusement je dois le déplorer, récente de 3 tableaux importants qui sont passés en vente dans les 3, 4, 5 années qui nous ont précédés, ben, ça n'a suscité aucune intention d'acquérir des œuvres ici en Guadeloupe. Donc on espère pouvoir ce soir enclencher une prise de conscience. On n'est pas obligé de savoir que Debussy est né à Saint-Germain-en-Laye. On n'est pas non plus obligé de savoir que Maurice Ravel est né à Cibourg. Et ce sont pourtant deux villes qui auraient pu avoir l'une un musée Debussy et l'autre un musée Ravel et qui ont raté le coche. Ça arrive, malheureusement. Il y a des partitions de Debussy et de Ravel. Je dis ça parce que en fait, c'est toujours la même question. C'est que le lieu d'origine n'est pas forcément, je ne vais pas dire signifiant, mais en tout cas, dans le cas de ces deux musiciens, hein, mais je pourrais parler d'autres, ça n'est pas toujours... nul n'est prophète en son pays, voilà. Et un artiste n'est pas forcément reconnu par son lieu d'origine. Et ça, c'est évidemment dommage. Ravel est honoré à Montfort-l'Amaury,
Et Debussy est honoré très médiocrement à Saint-Germain, dans la maison natale, mais enfin, il l'a quitté à l'âge de 2 ans. Donc, vous voyez, c'est pas automatique. Mais à partir du moment où on a envie que ça soit automatique, car il y a des artistes, par exemple Cabanel, on sait que tous les Cabanel vont aller à Montpellier, parce que Cabanel, il est de Montpellier. À une époque, on disait Cabanel, c'est un peintre épouvantable, c'est un peintre académique, c'est que des femmes nues, et gna gna gna. Bon, et on n'achetait pas de Cabanel, et ben des Cabanel, aujourd'hui, vous n'en trouvez plus, car le musée Fabre à Montpellier achète tous les Cabanel qui passent, et tous les Basile. Basile qui est l'un des initiateurs de l'impressionnisme. Voilà. À partir du moment où on décide que tout ce qui passe d'un artiste ira à tel endroit, eh ben, ça va à tel endroit. Il faut une décision, là, qui n'est pas une décision culturelle, même s'il y a des instances culturelles qui peuvent piloter, mais là, ce sont carrément des décisions politiques. Oui. Bonsoir. Donc, tout d'abord, je voudrais vous remercier pour vos deux interventions, parce que je trouve que ça me rend plus intelligent à la fin de vos deux interventions. Donc, j'ai l'impression que votre passage est réussi, puisque ça me donne presque le sentiment de connaître ce monsieur Guillon Lethière, dont jusqu'à présent je n'avais que très peu d'informations, à part une peinture que j'avais eu l'occasion de voir à Saint-François, je crois. Je crois qu'il existe un musée qui... Oui, oui. Voilà, donc ça avait été l'occasion de connaître ce nom. Et quand j'ai vu dans votre programmation cette conférence ce soir, donc ça m'a beaucoup intrigué, je voulais en savoir plus. Et vous nous avez appris beaucoup de choses ce soir. Et quand on voit notamment vos commentaires autour de sa biographie, tout d'abord, et également des analyses croisées entre lui et David, on a envie de vous poser beaucoup de questions. Alors, je vais essayer d'être assez court, je ne vais pas pouvoir vous poser toutes les questions que je voudrais vous poser. Tout d'abord, j'aurais aimé que vous reveniez sur le tableau qu'il a peint pour la République d'Haïti. Je crois qu'il est à un âge assez avancé. Et à la lumière de ce que vous avez dit sur la comparaison avec David, quand on voit une première peinture sur Brutus avec la tête qui ressemble un peu à une tête de guillotiné en 1795, et puis une seconde version en plein cœur de l'Empire en 1812, où on a l'impression qu'il s'adapte un petit peu au nouveau régime monarchique de Napoléon. Et quand on voit le troisième tableau consacré à Haïti, où là on a l'impression qu'il est, me semble-t-il, beaucoup plus libre de ses idées réelles, on sent bien que c'est un homme qui quand même a une forte charge républicaine qu'il a suivi tout le long de sa destinée. Et j'aurais souhaité que vous nous disiez un petit peu plus sur la trajectoire de cet homme après la chute de l'Empire, lorsque finalement Louis XVIII, qui au départ ne l'accepte pas, accepte de le nommer, donc il y a une certaine forme de reconnaissance de l'homme. Cet homme est quand même quelqu'un qui a réussi, entre guillemets, sa carrière, en tout cas de son vivant. Et cette commande d'Haïti, j'aimerais que vous nous en parliez un petit peu plus, là, quand on voit ces deux officiers, là, je crois un mulâtre et un autre officier d'origine noire africaine. Est-ce que vous avez plus d'informations sur le cahier de commande, sur la manière dont il a effectué cette œuvre et sa réception également? Voilà, merci. Alors, bien entendu, il serait possible d'en dire plus. Il serait possible d'en dire plus parce qu'il y a des informations beaucoup plus détaillées. La conférence d'aujourd'hui ne pouvait pas nous permettre de trop nous étendre. Des commentaires et des analyses critiques ont été faites. On peut trouver des traces depuis la publication de la restauration de cette œuvre, notamment après le tremblement de terre en Haïti. Je dirais que si on devait
prendre le temps de parler de ce tableau-là, qui est fortement symbolique, comme je le disais tout à l'heure, fortement emblématique. Il faudrait en faire une autre séance carrément, faire une séance spécialement sur ce tableau-là. Parce que je pense que du point de vue idéologique, Le Thiers qui arrivait un peu à la fin de sa vie, après ce qu'il a vécu, fait un peu une synthèse, je dirais, à travers cette œuvre, de son ressenti, de son engagement. Et à mon sens, comme je le disais tout à l'heure, le fait d'avoir mis en avant, pour le faire savoir sur la seule œuvre, vraiment, il n'y a aucune œuvre, en tout cas de celle qu'on connaît de lui, où il apparaît la mention de ses origines. Ça ne peut être autre chose qu'une volonté de faire savoir qu'il fait partie justement de cette communauté d'hommes qui, dans cette région du monde, se battait contre justement ce régime, ce système esclavagiste, et notamment pour la liberté. Et il faut comprendre qu'il baigne à un moment où la question même de la liberté se pose en France, ces bouleversements dans cette période où il vit, il a vécu justement toutes ces tensions, il a subi aussi, comme je le disais, comme le cheval, comme Alexandre Dumas, un certain nombre de mépris, toutes les souffrances qu'il a endurées sont cristallisées, je crois, dans cette œuvre-là. Il appartient maintenant à des spécialistes, comme je le disais, je ne suis pas historien, puisque c'est plus la partie artistique, plastique, qui m'a amené à m'intéresser à son travail, et puis la curiosité. Le travail plus fouillé, je veux dire, d'analyse, autour de l'œuvre, ce qui pourrait construire, ou en tout cas donner des éléments de construction du personnage lui-même, c'est le propos de scientifiques, d'historiens, parce que ça demande des méthodes de recherche et des moyens aussi, dont je ne suis pas, équipé. Voilà. Je vais paraître indélicat. Il est presque 21h. Oui. Ça fait quand même pas mal de temps qu'on est ensemble. Oui. On n'a pas encore terminé, rassurez-vous, puisque vous avez quand même un troisième round. Donc oui. Nous vous invitons au pot de l'amitié, et nous allons vous offrir, au nom du CCE et du Conseil régional, bien sûr, un ouvrage. Donc vous ne partirez pas les mains vides, vous partirez avec, bien sûr, tout ce que vous avez entendu, mais également cet ouvrage que le CCE et la présidente vous donnent gratuitement. Donc je vous demande vraiment d'applaudir ces deux conférenciers qui seront à la table tout à l'heure, et vous pourrez débattre. Et je crois que vous êtes sorti grandi de cette soirée. Je vous remercie. S'il vous plaît.